Madame Courlon ? C'est moi. Je suis l'inspecteur Taillancourt de la Sûreté Nationale. La police ? Mais les gendarmes sont déjà venus. Ils nous ont transmis le dossier à la brigade mobile de Dunkerque. Je suis chargé d'enquête. Ah, je comprends. Entrez, monsieur. Attendez, je vais faire un peu de lumière. Je vais fermer la boutique à cause de tout ça. Votre enquête, ça ne va pas retarder les obsèques, au moins? Je ne le pense pas. En sens ça, il faudrait que je prévienne monsieur le curé. Ce serait ennuyeux. À cause de la messe, vous comprenez? Non, mais il n'y a pas de raison. Le médecin légiste a établi son rapport. Asseyez-vous, monsieur. Si, madame. Je sais que cela va... Vous êtes pénible, madame, mais... Je suis obligé de vous poser quelques questions. Ah oui, bien sûr. Selon le rapport de la gendarmerie, votre fille a été tuée il y a 2 jours dans la soirée de lundi. Oui, c'est ça, lundi. Oui, le crime a été commis dans le bois entre le village et la rivière. C'est vous qui avez découvert le corps? Oui, monsieur. Bien. Racontez-moi ce qui s'est passé. Et Marie-Jeanne est partie se promener après le souper. Et vers 11h, elle n'était toujours pas revenue. Alors, je me suis inquiété. Je suis allé à sa recherche. Dans le bois? Oui, monsieur. Vous saviez qu'elle y était? Oh, je m'en suis bien douté. Elle allait souvent se promener par là. Je l'ai tout de suite trouvée. Mm-hmm. Dans la clairière du Gros Chêne. Oh, c'était horrible, monsieur. Sa pauvre figure. Et vous êtes revenu tout de suite au village? Quand je suis allé chercher du secours, je croyais qu'elle était seulement blessée. Alors j'ai réveillé monsieur Vern, l'instituteur. L'instituteur? Enfin, pourquoi pas le médecin? Il habite à Berg, à 7 km d'ici, tandis que la maison de monsieur Vern, c'est la première du bourg en venant du Gros Chêne. Oui. Puis, oh, je savais pas bien ce que je faisais. Mais enfin, vous avez donc réveillé l'instituteur? Oui, je lui ai dit, pour Marie-Jeanne. Oui. Alors il a enfilé son manteau, il est venu avec moi. Alors vous êtes retourné dans la clairière? Oui. Et il a tout de suite vu qu'elle était morte. Alors il m'a ramené chez lui et il a téléphoné aux gendarmes. À quelle heure était-elle partie de chez vous? Oh, tout de suite après le souper. Vous ne pouvez pas préciser l'heure exacte, non? Oh, il était peut-être 8h30 par là. Alors elle est allée directement dans le bois? Non, elle est d'abord passée chez les Vimereux. Qui est-ce? Albert Vimereux, celui qui tient le magasin souvenirs de l'autre côté de la place. C'est le mari de Maurice et de Séclin, ma petite filleule. Ah oui, Albert Vimereux. Vimereux. Ouais. Avec un W? Oui, monsieur. Elle y est restée longtemps? Oh non, pas très. Bon, et après, elle est revenue ici? Non. Ah bon? Elle est partie vers le bois. Vous l'avez vue? Ah oui, je regardais dehors juste à ce moment. Voyons, voyons, attendez. Vous avez déclaré aux gendarmes qu'elle avait de l'argent dans son sac. Oui, monsieur. Oui. Une somme importante? Ah oui. Plus de 100 000 francs. Quand les gendarmes sont arrivés sur les lieux, ils n'ont pas trouvé l'argent. Ses poches étaient vides, pas de portefeuille, pas de porte-monnaie, le sac avait disparu. Oui, monsieur. Vous-même, quand vous l'avez trouvé, n'avez pas vu son sac? Non, il n'y était pas, il n'y avait rien. Il y avait juste la grosse pierre, pleine de sang, j'ai vu que ça. Oui. Mais lorsque vous avez parcouru le bois la première fois en la cherchant, vous n'avez rencontré personne? Non, à cette heure-là, vous pensez? Votre fille y est bien allée, elle. Oui, mais c'est pas pareil, elle a toujours aimé ça, se promener seule la nuit. Je lui ai souvent dit qu'elle avait tort, mais elle ne m'écoutait jamais. Oui. Bien, autre chose maintenant. Votre fille ne résidait pas au village, n'est-ce pas, hein? En temps normal, elle ne demeurait pas chez vous. Non, non, elle habitait Paris depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait à Paris? Travailler? Je crois qu'elle était secrétaire. Dans quelle entreprise? Oh, je sais pas, elle me l'a jamais dit. Elle me donnait pas souvent de ses nouvelles, vous savez. Une carte par-ci, par-là. Mais c'est la première fois qu'elle venait au village depuis 4 ans? Oui, elle était en vacances. Elle est arrivée seule? Enfin, personne ne l'a accompagnée de Paris? Non, monsieur, non. Elle est venue par le car. Elle l'avait même pas prévenue, moi je l'attendais pas. Dites, monsieur, vous allez rester longtemps au bourg? Je sais pas, madame, ça dépendra de l'enquête. Les gendarmes ont dit que c'était sûrement un vagabond qui l'avait tué pour lui prendre son argent. Oui, c'est bien possible.
Mais comme le meurtrier n'a laissé ni empreinte ni trace identifiable, je dois essayer de reconstituer l'emploi du temps de votre fille avant le crime. C'est le seul moyen de retrouver l'assassin. Vous allez voir les Vimereux, alors? Oui, j'interrogerai probablement d'autres personnes aussi. D'autres personnes? Ça va faire causer. Écoutez, je regrette, madame, mais il n'est pas en mon pouvoir d'empêcher que l'on s'intéresse à une affaire criminelle. Non, bien sûr, mais les gens sont si médisants. Oui. Vous avez d'autres enfants, madame? Non, monsieur. C'est donc votre fille unique qui a été assassinée, tout près de chez vous, presque sous vos yeux. Dans ces conditions, je suppose que vous souhaitez voir le coupable démasqué et arrêté le plus vite possible. Oui. Même si l'enquête doit durer un certain temps. Même si cela fait causer dans le village. Bien sûr, mais avec Marie-Jeanne, vous comprenez, il y a déjà eu tellement d'histoires. Et on commençait seulement à les oublier. Quel genre d'histoire? Oh, des affaires de jeunes filles, autrefois. Mais enfin, ces affaires de jeunes filles, elles ne pourraient pas avoir un rapport avec le crime? Non, pensez-vous, c'était des petites choses. Puis elle était partie depuis 4 ans, alors. Non, personne n'y pense plus de nos jours. Bon. Bon, ben, je vais vous laisser, madame. Vous m'avez dit tout ce que vous saviez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je reviendrai probablement vous voir. Si jamais vous apprenez quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de me le faire savoir. Monsieur? Madame? Vous êtes Madame Vimereux? Oui. Inspecteur Taillancourt de la Sûreté Nationale. Oh! Albert! C'est la police! La police? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas, viens une minute! Mon mari va arriver tout de suite, monsieur l'inspecteur. Excusez-moi de vous faire entrer dans la salle à manger, mais le petit est endormi. On risquerait de le réveiller. C'est sans importance, madame, nous sommes très bien ici. Vous venez de Dunkerque? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis chargé de l'enquête au sujet de la mort de Mademoiselle Courlon. Oui, alors? Elle était chez vous le soir du crime. Elle venait nous dire au revoir après le dîner. Vous dire au revoir? Ben, elle est partie. Oui, elle devait rentrer à Paris le lendemain. Ah. Avez-vous remarqué si elle avait son sac pendant qu'elle était ici? Semble bien. Moi, j'en suis sûre. C'était un sac de cuir qu'elle portait en bandoulière. Et vous saviez ce qu'il contenait? Ma foi, non. Il y avait plus de 100 000 francs dedans. Tant que ça? Vous ne saviez pas? Elle a dit qu'elle avait beaucoup d'argent, mais je pensais pas que ça faisait tant. Pas qu'elle gagnait bien sa vie à Paris. Ah, vous croyez que c'est pour ça qu'on l'a tuée? Peut-être. Ah, encore fallait-il que le meurtrier sache ce qu'il y avait dans son sac. Hein. En tout cas, c'est pas ici qu'il l'a appris. Personne n'est venu pendant qu'elle était là. À quelle heure est-elle partie? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Oh, il devait pas être bien tard parce qu'elle est pas restée longtemps. 10 minutes ou un quart d'heure, pas plus. Vous n'avez pas vu si quelqu'un l'attendait dehors? Personne ne l'a suivi? J'ai pas regardé, j'ai fermé la porte à clé derrière elle et j'ai éteint les lumières. On s'est couché tout de suite après. Saviez qu'elle avait l'intention de se promener dans le bois? Non, avec elle, moi on en savait, mais ça valait. Pourquoi? Oh, il y avait toujours des complications avec elle. Déjà quand elle était petite fille, elle était bizarre, elle voulait jamais jouer avec nous. Elle restait dans son coin et elle s'amusait toute seule. Elle faisait jamais rien comme les autres. Mais vous la connaissiez depuis longtemps, naturellement. Où ben vous pensez? Nous deux, Marie-Jeanne, on a été à l'école ensemble. Et vous? Je la voyais de temps en temps. Le village n'est pas tellement grand. Hein. Tu peux lui dire, Albert. Avant qu'elle parte à Paris, ils étaient fiancés. Fiancés, faut rien exagérer. On avait dit qu'on se marierait peut-être, c'est tout. Et ça s'est pas fait, alors c'est pas la peine d'en parler. Mais de toute façon, avec ta jambe, elle aurait plus voulu que toi. Votre jambe? Est-ce que vous avez la jambe? Je peux pas marcher sans canne. Un accident? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai fait une mauvaise chute. Une échelle a glissé. Et c'est ça aussi, la cicatrice sur votre poignet? Oui, j'ai brisé une vitre en tombant, ma main est à moitié paralysée, voilà. Mais enfin, c'est la gauche, heureusement. Hein. Ah, heureusement, ça c'est vous qui le dites. Pour moi, la main droite, la main gauche, c'est tout pareil, ça a gâché ma vie. Albert... Oui, avant l'accident, j'étais mécanicien. Je voulais m'établir à mon compte, ouvrir un garage. Dans une vraie ville. Pendant ce temps perdu. Au lieu de ça, je vends des cartes postales.
À 28 ans, je suis un invalide. Il faut pas dire des choses pareilles, Albert. Mais oui, tu as raison. Il vaut mieux pas parler de tout ça. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, mais il faut que j'aille faire les commissions. Les magasins vont fermer. Mais ça ne fait rien. Votre mari pourra me donner les renseignements dont j'ai besoin. Je laisse la porte de la chambre ouverte, Albert. Comme ça, si le petit se réveille, tu l'entendras. Oui, d'accord. Je serai rentrée pour l'heure de son biberon. S'il pleure avant, donne-lui sa tétine. Oui, oui, je t'ai dit que je m'en occuperai. Vous comprenez, monsieur l'inspecteur, le bébé a fait des convulsions le mois dernier, alors j'aime pas tellement quoi le laisser seul. Il n'est pas seul puisque je suis là. Allez, va faire tes courses. Bon. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Au revoir, madame. Pour en venir au crime, vous qui avez bien connu la victime, qu'est-ce que vous en pensez? Cette pauvre Marie-Jeanne, c'est bien triste. C'est tout? Mais en somme, la mort de votre ancienne fiancée, ça vous impressionne pas beaucoup? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le passé, c'est le passé. 4 ans, c'est long. Marie-Jeanne, je pensais plus à elle. Pourquoi ne l'avez-vous pas épousée? Elle a décidé de monter à Paris. J'avais pas lui courir après. Vous n'avez pas essayé de la retenir? On voit bien que vous l'avez pas connue. Quand Marie-Jeanne voulait faire quelque chose, il fallait se lever de bonne heure pour l'en empêcher. D'ailleurs, quand elle est partie, j'étais à l'hôpital. Elle n'est même pas venue me dire au revoir. C'était au moment de votre accident? Oui. Oui. C'est à cause de votre infirmité qu'elle vous a quitté? Non, elle avait trouvé du travail à Paris. C'est vraiment pour ça qu'elle est partie? Non, parce que je me suis demandé si son départ n'avait pas eu une autre raison. Elle a eu des histoires avant de quitter le village. Je sais pas de quoi vous voulez parler. J'ai vu sa mère tout à l'heure. C'est elle qui vous a dit ça? Mais elle n'a pas voulu m'expliquer de quoi il s'agissait, mais vous pourriez peut-être m'en parler, vous. Depuis le temps, j'ai oublié. Vous voulez rien dire, quoi. Je dis rien parce que j'ai rien à dire. D'ailleurs, avec les filles, il y a toujours des histoires, alors... Oui, j'ai l'impression que Mademoiselle Courlon en avait plus que les autres. Je vous empêche pas de penser ce que vous voulez. Mais au lieu de m'embêter avec vos questions, vous feriez mieux de chercher le rôdeur. Quel rôdeur? Ben, celui qui l'a tué. On n'a qu'à demander aux gendarmes ce qu'ils en pensent. Ils l'ont bien dit, un crime de rôdeur. Alors qu'il est, il court encore et personne ne s'occupe de lui. Si, monsieur Vimereux, je m'occupe de lui. Je cherche l'assassin, quel qu'il soit. Rôdeur ou pas. Au revoir. Monsieur l'inspecteur. Oui. J'aurais pas dû me mettre en colère. Mais quand on parle de mon accident, je peux pas m'en empêcher. Faut pas m'en vouloir. Si je vous en veux pas. Allez. Au revoir, monsieur Vimereux. Au revoir. Mademoiselle, un fromage, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Bonjour, monsieur le commissaire. Inspecteur seulement. Vous me connaissez? Je vous ai vu arriver ce matin. Et j'ai tout de suite deviné que vous étiez de la police. Ça se voit tellement. J'ai l'œil, moi. Dans le fromage. Et vous, père Doriez, qu'est-ce que je vous sers? Un petit cognac. Et t'en apporteras un aussi pour l'inspecteur. Non, j'ai pas fini de déjeuner. Ah ben, vous le boirez après. Non, merci. Vous appelez Doriez? Oui, monsieur l'inspecteur. Hein? Gustave Doriez. Je suis né au village, alors vous pensez, je connais tout le monde. Et puis j'entends causer. On me raconte des choses. Ah, si je disais tout ce que je sais, il y en a qui seraient bien ennuyés. Oui? Qui, par exemple? Oh, des gens. La votre cognac. Merci, ma belle. Elle t'aurait pu remplir le verre un peu mieux que ça. Oh, ben il y en a jusqu'à la marque. À lui, c'est vrai. Ah. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté, la mère de Marie-Jeanne? Vous devriez le savoir, puisque vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le village. Oh, Henriette Coulon, je la fréquente plus. On a eu des mots l'an passé. Cette femme, faut vous en méfier, monsieur l'inspecteur. On sait pas ce qu'elle pense. Elle vous a dit qu'elle s'est disputée avec sa fille lundi soir. Hein, comment le savez-vous? Je l'ai entendu par des... Je pensais devant chez elle. Ah, les injures, ça y allait, hein, vous pouvez me croire. Et la Marie-Jeanne, je n'ai pas pour répondre. Et il faut vous dire qu'elle n'a pas meilleur caractère que sa mère, alors. À quelle heure était-il? Bon, vers les 8h, 8h30. Et c'était à quel sujet, cette dispute? Oh, ben ça, j'en sais rien. J'ai continué mon chemin, moi, sans m'arrêter. Vous m'étonnez. Bonjour, Annette. Bonjour, monsieur. Eh bien, Doriez, vous n'avez pas fini d'ennuyer monsieur l'inspecteur? Oh, ben je l'ennuie pas, on bavarde en prenant un petit verre, quoi. Bonjour, inspecteur.
Je m'appelle Pierre Verne. Verne, l'instituteur? Oui, oui, c'est moi. Tombez bien. J'avais justement l'intention d'aller vous voir après le déjeuner. Ah. Moi, monsieur Douriez, ouais. Allez donc finir votre cognac au comptoir. Ah, hein? Oh, bon. Ouais, bah, au revoir, monsieur l'inspecteur. Au revoir. Et asseyez-vous, monsieur Verne. Merci. Jeannette! Jeannette! Oui? Apporte-moi un café. Oui, pour moi aussi un café, hein? Vous prenez pas de dessert? Non, non, non. Qui est ce type? Le père de Riel? Oui. Un vieux braconnier toujours entre deux, hein? La nuit, il attrape les lapins, et le jour, il colporte les ragots du village. Oui, moi, je m'en suis aperçu. Vous vouliez me voir, inspecteur? Oui. Oui, Madame Courlon m'a dit qu'elle était venue vous chercher le soir du crime. Ah, c'est exact. Et est arrivée vers 11h comme une folle. Remarquez, il y avait de quoi, quand j'ai vu dans quel état était la gosse. Ah, hein. Vous êtes au courant, je pense. Oui, les photos sont au dossier. Ah, complètement défigurée, la figure écrasée. Ah, je sais pas qui a fait ça, mais... Quand êtes-vous arrivé dans la clairière, vous n'avez rien remarqué qui permette d'identifier le meurtrier? Des traces de pas, par exemple? Oh, ma foi, non, je l'ai vu que la petite. Je me suis dépêché de retourner chez moi pour téléphoner aux gendarmes. Voilà. Le café est bien chaud. Merci. Merci. Ah. Où en êtes-vous, inspecteur? Ça avance, votre enquête? Oui. Je ne voudrais pas paraître indiscret. Oh, mais pas indiscret. Pour ce que je pourrais vous dire. Personne ne sait rien, personne n'est au courant de rien. Je pose des questions et j'obtiens que des réponses évasives. C'est à peu près. Oui. Vous, hein, vous ne devez pas avoir une grande habitude de la campagne. Et pour les gens d'ici, vous êtes un étranger. Et un étranger, c'est quelqu'un dont on se méfie, devant qui on ne dit rien. Enfin, quand il s'agit d'une enquête criminelle. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Prenez mon cas, par exemple. Il y a plus de 20 ans que je vis dans ce village. Depuis 20 ans, j'apprends à lire aux gosses. Depuis 20 ans, les parents viennent me voir pour que je les aide à faire leur déclaration d'impôt, par exemple, ou à rédiger une demande de prêt au Crédit Agricole. Eh bien, malgré ça, je suis toujours un étranger pour eux. Quand je pousse une porte, tout le monde se tait. Et leurs petites affaires de famille, ça ne me regarde pas. Alors, si vous croyez qu'ils vont vous parler à cœur ouvert, à vous qui êtes là depuis ce matin... Mais il faudra quand même qu'ils se décident à me dire ce qu'ils savent. Cigarette? Ah non, merci. Ah non, je ne fume que la pipe. Vous connaissez la victime? Je peux vous demander du feu, merci. Voilà. Marie-Jeanne? Oui. Moi, je pense bien. Je l'ai eu au cours complémentaire... Attendez voir. Ah, c'était en 51. Mmh. Ah non, en 50. Oh, je ne l'ai pas oublié, elle m'a donné assez de mal. Quoi, elle ne travaillait pas bien? Oh, elle ne faisait rien. Pourtant, elle était intelligente, elle avait de la facilité, mais l'école l'ennuyait. Elle aurait pu poursuivre ses études. Je lui aurais facilement obtenu une bourse, mais elle n'a pas voulu. Mmh. Oh, elle a préféré aider sa mère. En principe, du moins. En réalité, on la voyait plus souvent dans la rue que derrière le comptoir. Mmh. Comme en plus elle était belle et qu'elle le savait, ben, ça n'arrangeait rien. Pourquoi ça? Ouais, les garçons l'intéressaient plus que la boutique maternelle. Oh, elle faisait rien de mal, remarquez. Un sourire par-ci, une œillade par-là, un baiser de temps en temps, oui, bien sûr, c'est tout. Mais sa réputation a quand même été vite faite. Ah, ça a failli mal tourner, d'ailleurs. Le petit Vimereux en sait quelque chose, hein. Vimereux? Celui qui boite? Oui, celui qui boite. Sa jambe et sa main esquintées, ben, c'est à cause de Marie-Jeanne. Il s'est battu avec un type il y a 4 ans, à propos d'elle. Tiens, non, mais c'est pas ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais fiancé, oui, à l'époque. Le jour du bal de la Sainte-Barbe, oui, c'est bien ça, elle avait invité un certain Cassel, le fils d'un armateur de Dunkerque. Ils ont dansé ensemble toute la soirée, dit-il de vous dire que ça n'a pas plu au fiancé, d'autant plus que tous les copains se moquaient de lui. À la fin du bal, ben, il a sauté sur Cassel un couteau à la main. Mais l'autre était plus fort que lui, et c'est Vimereux, finalement, qui a été blessé au poignet. Une seule blessure, un tendon coupé, je crois. Pour comble de malchance, il est tombé en porte-à-faux sur le pare-choc d'une voiture. Résultat, une double fracture qui s'est mal ressoudée et une main paralysée. Et la justice n'a pas été saisie? Mais par qui? Cassel s'en est tiré sans aucune égratignure. D'ailleurs, il était en état de légitime défense. Quant à Vimereux, ben, il était entièrement dans son tort, il était ivre, et c'était lui qui avait déclenché la bagarre. Et c'est à la suite de ça que Marie-Jeanne est partie? Mais bien sûr. Ça a fait un scandale terrible. La moitié du village était assez trousse pour l'écharper. Et elle a été obligée de filer la nuit même. Elle n'était jamais revenue. Ben, jusqu'à la semaine dernière.
La pauvre fille, elle aurait mieux fait de rester à Paris. Dites-moi, à propos de son retour, vous savez qu'elle avait décidé d'écourter ses vacances et de repartir le mardi matin? Ah, j'ignorais. Hein? Mais ça m'étonne pas. Des vacances au village pour une fille de 24 ans, ce n'est pas très drôle. Elle en a probablement eu assez au bout de 3 ou 4 jours. C'est possible, oui. Mais je trouve quand même curieux qu'on l'ait tué juste avant son départ. Oui. Oh, bah, coïncidence, probablement. Eh bien, les gendarmes ont dit que c'était... Et oui, un crime de rôdeur, je sais, oui. Mais moi, j'ai une autre idée. Ne serait-ce qu'à cause de la façon dont elle a été tuée. Ah, la pierre. Oui, la pierre. Oui. Mais un vagabond l'aurait seulement assommé. Il aurait volé le sac, et il serait empressé de disparaître. Au lieu de ça, voyez-vous, on s'est acharné sur elle. D'après le médecin légiste, on l'a frappée au moins 20 fois. Alors qu'un seul coup suffisait pour la tuer. Oui. Je comprends ce que vous voulez dire. Et à mon avis... Le meurtrier la connaissait bien. Il l'a haïssée. Vous vous rendez compte de ce que cela représente? Abattre 20 fois une grosse pierre sur le visage d'une femme qui est déjà morte. Oui. Il ne s'est pas contenté de la tuer. Il a voulu aussi la défigurer. Venger, peut-être. Non. Non, inspecteur, vous vous trompez. Pourquoi? Après tout, s'il est infirme, c'est à cause d'elle. Ça se serait passé il y a 3 ans, je dis pas. Mais maintenant, c'est trop tard, il a refait sa vie. Il a épousé la petite Morissette, ils ont un bébé. Ce n'est pas le grand amour, mais il s'est fait son petit bonheur, puis ça lui suffit. Il n'aurait pas tout gâché sur un coup de colère. J'en suis pas aussi sûr que vous. Enfin, maintenant au moins, je sais de quelle histoire vous voulez parler, Madame Courlon. Au fait, vous la connaissez, elle aussi? Oh, mais... On ne vit pas si longtemps dans un petit village sans en connaître la mercière. Elle s'entendait bien avec sa fille? Elle? Vous l'avez vue, hein? Toujours des robes noires fermées au ras du cou, la messe tous les matins. Ouais. Elle a passé sa vie à pleurnicher, à se plaindre de quelque chose. Le commerce qui marche mal, la santé qui ne va pas, les vêtements qui s'usent trop vite. Oui, une victime, quoi. La gosse, c'était le contraire. Pleine d'entrain, toujours prête à rire. Elle avait du caractère, elle se défendait, elle voulait vivre. Ils ne pouvaient pas se comprendre toutes les deux. Oui, je m'en doutais un peu. Et quand je suis allé chez elle ce matin, j'ai eu l'impression que... J'ai eu l'impression que la mort de sa fille ne la chagrinait pas outre mesure. Elle ne souhaite qu'une chose, que l'affaire soit classée le plus vite possible et qu'on n'en entende plus parler. Oh, mettez-vous à sa place, que voulez-vous? 2 scandales en 4 ans, ça fait tout de même beaucoup, hein. Ah, oh, c'est l'inspecteur, il est presque 1h30. Faut que j'aille faire ma classe. Jeannette! Oui. Non, laissez, c'est pour moi. Ah, je vous remercie. Si vous êtes encore là ce soir, venez donc jusque chez moi. J'ai un vieux marre de pays. Avec plaisir. J'adore ça. Vous ne m'avez pas dit la vérité ce matin, Madame Courlon. Moi? Mais si. Non. Vous ne m'avez pas dit pourquoi votre fille était partie il y a 4 ans. Vous ne me l'avez pas demandé. Puis c'est vieux tout ça. C'est oublié. Pas pour tout le monde. Albert Vimereux en particulier a de bonnes raisons de s'en souvenir. Ah, vous savez? Oui. Mais je sais qu'il a été blessé en se battant avec un ami de votre fille. On a rendu celle-ci responsable de ce qui s'était passé. Et elle est obligée de quitter le village. Et vous, madame? Vous, sa mère, vous l'avez laissée partir. Vous n'avez rien fait pour essayer de la retenir, pour la défendre. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'était, monsieur. On me montrait du doigt dans le bourg. Les clientes ne venaient plus chez moi. Personne ne me parlait plus. J'avais honte. Toute une vie d'honnêteté. C'était l'enfer, monsieur. Les choses ont quand même fini par s'arranger. Ça a été long. Et encore maintenant, tenez, Madame Seguin, par exemple, la femme des pharmaciens, elle va acheter sa laine à Berg, à 7 km d'ici, pour ne pas venir chez moi. Mais en somme, quand vous avez dû choisir entre votre clientèle et votre enfant, vous n'avez pas hésité. Vous vous êtes débarrassé de votre fille, sans regret. Il ne faut pas dire ça. Je l'aimais bien, Marie-Jeanne. Oui, vous l'aimiez bien, mais pas au point de chercher à savoir ce qu'elle faisait à Paris, ni où elle travaillait. Elle ne me donnait jamais de ses nouvelles. Et vous? Vous lui écriviez?
Quelle était votre réaction en la voyant arriver la semaine dernière? J'étais contente de la voir. Vraiment? Oui. Mais en tout cas, ça n'a pas duré longtemps. Vous êtes violemment disputé lundi soir. Qui est-ce qui vous a dit ça? Dorièz, il vous a entendu. Non, celui-là, il dit ça pour me nuire. Mais j'ai aucune raison de mettre sa parole en doute. À quel sujet vous êtes-vous disputé? On ne s'est pas disputé. Allons. Alors, madame Courlon, ne vous obstinez pas. Je finirai quand même par savoir la vérité. C'était de sa faute aussi. Dès qu'elle est arrivée, elle a recommencé ses manigances. Mais quelles manigances? Ah, maintenant que vous avez commencé, il faut aller jusqu'au bout. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'était pas plutôt descendue du car qu'elle est allée voir Albert. Le soir, Morissette avait les yeux rouges. J'ai bien vu qu'elle avait pleuré. Enfin, c'était peut-être pas à cause de la visite de votre fille. Moi aussi. Et puis, elle y retournait tous les jours. Dès que Morissette n'était pas là, elle allait chez eux. Une fois, il est même venu la voir ici. Et il parlait à voix basse, pour que j'entende pas de quoi il causait. Et c'est pour ça que vous vous êtes disputé? Oui. Mais madame, en quoi cela vous regardait-il? Je voulais pas qu'elle leur fasse de mal. Il y a déjà leur petit qui a pas de santé. Et si Albert était parti, Morissette en serait mort de chagrin. Quoi, Vivi Moreux devait s'en aller? Comment le savez-vous? Qu'est-ce que ça peut faire? Maintenant qu'elle est morte, ça n'a plus d'importance. Non, mais laissez-moi décider de ce qui est important. Comment savez-vous que Vimereux voulait s'en aller? Votre fille, vous en avez parlé? Oui. Elle était chez lui lundi tantôt. Et en rentrant, elle riait toute seule. Pendant le souper, je lui ai demandé ce qu'il y avait. Elle a dit, Albert veut venir à Paris avec moi. Et après? Je lui ai dit que c'était pas bien de plaisanter avec ces choses-là. Et qu'elle devait empêcher Albert de quitter sa femme. Elle a répondu, t'en fais pas. Je le laisse à ta chère Morissette. Je veux pas d'un estropié, moi. C'était une mauvaise fille, monsieur, de la mauvaise graine. Et quand j'ai entendu ça, moi, je me suis mise en colère. Je voulais qu'elle s'en aille tout de suite, qu'elle s'en retourne dans son Paris. Mais elle a pas voulu. Elle savait pas où aller, qu'il disait. Bah pourtant, elle avait un logement. Pensez-vous. On l'avait mise à la porte. Elle n'avait pas payé son loyer depuis 3 mois. Je croyais qu'elle gagnait bien sa vie. C'est ce qu'elle racontait à tout le monde. Mais c'était pas vrai. On l'avait renvoyée de la maison où elle travaillait. C'est pour ça qu'elle est venue ici. Et quand elle est arrivée, elle avait plus un sou. Attendez, attendez. Vous avez déclaré qu'elle avait beaucoup d'argent dans son sac. Plus de 100 000 francs. D'où venait-il? Hein? Eh bien, madame, expliquez-vous. Il n'était pas à elle. À qui était-il alors? À vous? Oui. Vous les lui aviez donnés? Ah. Vous les avez volés? Elle a pris la boîte où je serrais mes économies dans l'armoire. Elle a dit qu'avec ça, elle pourrait s'en aller le lendemain. Vous n'avez pas essayé de les lui reprendre? Elle était plus vaillante que moi. Eh bien, je commence à y voir plus clair. Agimons-nous. Vous vous disputez avec votre fille. Elle vole vos économies. Puis elle va chez les Vimereux. Pendant ce temps, vous montez dans votre chambre pour guetter son retour. Non, je l'ai vu par hasard. Oui, oui, voilà un hasard auquel je ne crois pas beaucoup. Enfin, peu importe. Vous la voyez donc sortir de chez Vimereux. Mais au lieu de traverser la place pour revenir ici, elle prend la route de Berg, en direction du bois. Avec vos 100 000 francs dans son sac. C'est bien ça, hein? Oui, monsieur. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous avez attendu son retour, sans bouger de chez vous? Oui, monsieur. Oui, mais vers 11h, dans la voyant parvenir, vous êtes inquiété, vous êtes parti à sa recherche. Oui, monsieur. Je m'étonne, madame, de cette sollicitude soudaine pour une fille que vous veniez de mettre à la porte et qui, de surcroît, avait volé vos économies. Vous êtes bien sûr que les choses se sont passées ainsi? Oui, monsieur. Vous n'avez pas plutôt suivi dans le bois lorsqu'elle est sortie de chez Vimereux? Moi? Oui. Mais non, non. Vous n'êtes pas allé avec elle jusqu'à la clairière du Gros Chêne,
Vous n'avez pas ramassé une pierre? Non, je suis resté ici, je suis pas sorti. Vous détestiez votre fille, que vous rendiez responsable de tous vos malheurs. Vous vouliez l'obliger à vous rendre l'argent qu'elle vous avait volé. Non, c'est pas vrai, non, j'ai pas fait ça, mon Dieu. Mais c'était ma fille, monsieur, même si elle avait fait du mal, c'était ma fille. Puisque vous prétendez ne pas l'avoir suivie, comment se fait-il que vous ayez si facilement deviné l'endroit où elle était? Mais je vous l'ai dit. Elle allait souvent se promener dans le bois. Mais la clairière, Madame Courlon, la clairière du Gros Chêne, hein? Pourquoi y êtes-vous allée directement? C'est toujours là qu'elle retrouvait Albert, autrefois. Enfin, d'après ce que je sais de votre fille, c'était pas son genre d'aller faire un pèlerinage sentimental à l'endroit où elle retrouvait autrefois son fiancé. Hein? Un fiancé qu'elle avait d'ailleurs abandonné il y a 4 ans. Je ne sais pas. Laissez-moi. Non, pas avant que vous m'ayez répondu. Comment saviez-vous que vous la trouveriez dans la clairière du Gros Chêne? Bon sang, mais j'aurais dû deviner tout de suite. Elle n'est pas sortie seule de chez Vimreux, n'est-ce pas? Il l'a accompagnée? Oui, c'est pas lui, monsieur. Je vous jure que c'est pas lui. Il n'aurait pas fait une chose pareille. Il l'aimait trop. Mais ça, nous verrons. Enfin, vous auriez mieux fait de me dire la vérité plus vite et de m'aider à découvrir l'assassin de votre fille, au lieu de protéger Albert Vimreux, que vous aimez tant, parce qu'il a épousé votre filleule. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Ça vous ennuie? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes un fameux menteur, Vimreux. Qu'est-ce qui vous prend? Vous le savez très bien. Votre accident, par exemple. Vous savez l'échelle qui a glissé? Ah, c'est ça? Non, c'est pas ça. Vous avez également menti sur un autre point, beaucoup plus grave. Lequel? Quand Mademoiselle Courlon est sortie de chez vous lundi soir, vous l'avez accompagnée. Pourquoi avez-vous prétendu qu'elle était seule? J'avais peur que ça me fasse des ennuis. Des ennuis? C'est maintenant que vous risquez d'en avoir des ennuis. Alors pourquoi vous êtes sorti en même temps qu'elle? C'est bon, j'avais envie de prendre l'air. Oui, votre femme est venue avec vous? Non, elle est restée ici. Ça n'ennuyait pas de vouloir partir avec votre ancienne fiancée? Ben bien sûr que non. Et où êtes-vous allés tous les deux? Jusqu'à la lisière du bois, on a bavardé un moment. Combien de temps? Je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Vous n'êtes pas entré dans le bois? Non. Pourquoi pas? Elle marchait trop vite pour moi. J'avais du mal à la suivre. Avec ma jambe. Alors je suis revenu à la maison. Directement? Oui. Quelle heure était-il? Quelle heure? Vous m'avez tout le temps la même chose, j'en sais rien, moi! Quand je suis arrivé, le bébé pleurait, je me suis occupé de lui, j'ai pas regardé la pendule. Dommage. De quoi avez-vous parlé pendant que vous étiez avec Mademoiselle Courlon? Je me souviens pas. On a bavardé, quoi. Il a été question de son départ le lendemain? Oui. Elle m'a demandé de venir lui dire au revoir quand elle prendrait le car. Je peux m'asseoir? Il y a une chaise derrière vous. Merci. Bien, ça a dû être dur quand Marie-Jeanne vous a quitté il y a 4 ans. Ben, forcément. Ça vous a fait quelque chose de la revoir, non? Ça m'a fait plaisir, bien sûr. C'est tout? Oui, je pensais plus à elle depuis 4 ans, vous pensez... Ah, quand même, c'est pas tellement long, 4 ans, hein? Non, écoutez, mon vieux, nous sommes entre hommes, vous pouvez me dire la vérité. Commenciez seulement à l'oublier, hein, puis tout d'un coup, la voilà qui débarque. Comme ça, sans griller garde, toujours aussi belle, bien habillée, sourire aux lèvres. Sa première visite était pour vous, hein? Elle voulait dire bonjour à ma femme. Et ce jour-là, peut-être, oui, mais ensuite, elle est revenue. Elle est revenue chaque fois que vous étiez seule. Puis vous êtes allé la voir chez elle. On se connaissait depuis qu'on était gosses, on avait des tas de choses à se raconter. Ben, c'est normal, voyons. Elle vous a expliqué comment elle vivait à Paris, elle avait une bonne situation, elle gagnait bien sa vie. Les femmes aiment toujours parler de ça. Je parie même qu'elle vous a décrit son appartement. Oui. Oui, vous voyez, hein? Alors vous avez parlé de votre petit magasin de cartes postales, de la maladie du bébé, de votre infirmité, de votre femme qui est bien gentille, mais... Enfin, c'est pas la même chose que Marie-Jeanne. C'est pas elle qui aurait pu vous aider à diriger un garage, hein? Quel garage? Et vos projets d'autrefois, vous vous souvenez? Vous vouliez épouser Marie-Jeanne et ouvrir un garage dans une grande ville? Dites.
Pourquoi parlez-vous de tout ça? Bah, parce que j'essaie de comprendre. Quoi? La raison pour laquelle vous vouliez partir avec elle. Vous êtes fou, je voulais pas partir. Allons-y, Mrondru, commencez pas à mentir, hein. Mademoiselle Courlon a raconté à sa mère que vous vouliez venir à Paris avec elle. C'est pas possible. J'ai pas pu lui parler de ça. Je lui ai assez dit que je ne voulais pas m'en aller. Vous lui avez dit? Enfin, il en a des questions, alors. Bon, d'accord. Puisque vous voulez tout savoir, je vais vous expliquer. Hein, je vous écoute. La première fois qu'on s'est vus seuls, tous les deux, elle m'a parlé de ce qui s'était passé, autrefois. Elle m'a raconté qu'elle avait été obligée de partir pendant que j'étais à l'hôpital, mais que... Enfin, elle ne m'avait pas oublié, quoi. Elle vous aimait toujours? Oui, oui, elle voulait que je parte avec elle. Hmm. Elle avait déjà fait des projets, à cause de ma main. Il n'était plus question de garage. Elle pensait qu'on pourrait prendre un petit commerce près de Paris. Et vous avez refusé? Mais vous voulez vraiment pas comprendre, quoi? Je suis marié, j'ai un bébé, un magasin au village. Je voulais pas quitter tout ça. Marie-Jeanne, c'était fini, fini! M'entendez? Mais oui, inutile de vous fâcher. C'est pas en criant que vous me convaincrez, vous savez. Si vous voulez pas me croire, tant pis pour vous. Après tout, elle est morte et j'y peux rien, moi. Vous en êtes sûr? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais supposez que l'on retourne la situation. Que ce n'est pas Mademoiselle Courlon qui vous aimait encore, mais vous qui étiez toujours amoureux d'elle. Non! Ce n'est pas elle qui vous a proposé de l'accompagner à Paris, mais vous qui vouliez la suivre. Non, vous êtes sérieux? Vous savez où elle a été tuée, Vimereux? La clairière du Gros Chêne, ça vous rappelle rien? C'est là que vous la retrouviez autrefois. Lundi soir, vous y êtes allés ensemble? Je vous ai dit que je n'étais pas rentré dans le bois! Vous lui avez dit que votre décision était prise, que vous abandonniez votre femme pour partir avec elle. Mais elle s'est mise à rire et elle a répondu qu'elle ne voulait pas d'un estropié. Non! Ah, vous êtes peut-être un flic, mais vous êtes un beau salaud! Non, mais je ne fais que répéter ses propres paroles. Elle s'est moquée de vous, de votre infirmité. Alors, dans votre rage, vous avez ramassé une pierre! Espèce! Où est le sac, Vimereux? Quel sac? Le sien. Celui que vous avez volé pour faire croire qu'il s'agissait d'un crime crapuleux. Cherchez-le. Je vous empêche pas de fouiller. Bon, ben j'ai compris. Je ne le trouverai pas. Vous avez dû l'enterrer dans un champ, hein? Mais les 100 000 francs, vous les avez quand même pas brûlés. 100 000 francs. Là aussi, vous pouvez chercher. Vous risquez pas de les trouver. Bien. Ouvrez votre tiroir-caisse. Perdez votre temps. J'ai même pas un billet de 10 000 francs. J'ai pas vu un client depuis un mois. Par ce temps, vous pensez, qui est-ce qui s'arrêterait pour acheter des souvenirs de la région? Ça prouve pas votre innocence. Hein? Vous croyez vraiment que je l'ai tué, hein? Je sais pas, Vimereux. Mon métier ne consiste pas à faire des suppositions, mais à chercher des preuves. Alors, je cherche. Vous savez où est ma femme? Non. À la ferme chez ses parents. Il est allé leur demander de nous prêter un peu d'argent. Voilà. Ils me détestent. Ils vont la garder une heure à lui faire des beaux discours en lui disant que si elle n'avait pas épousé un bon à rien, elle n'aurait pas besoin de venir pleurer misère. Oui, c'est bien regrettable pour vous, mais je vois pas ce que... Vous croyez que ça me fait plaisir de l'envoyer mendier? Si j'avais l'argent de Marie-Jeanne, ma femme ne serait pas à la ferme. Oui, enfin, si c'est tout ce que vous avez trouvé pour vous disculper... Mais bien sûr! Croyez jamais rien! Eh bien, moi, je vous dis que je ne l'ai pas tué. Faudrait le prouver, Vimereux. Non. Je connais la loi. C'est à vous de le prouver. Eh ben, dites donc! Vous avez étudié la question, on dirait, hein? Vous ne devez pas avoir la conscience très tranquille. Ah, oh, et puis ça suffit, je commence à en avoir assez de vos menaces. Vous avez fini de déballer votre sac? Bon, alors fichez le camp, je suis chez moi ici, après tout. Bon. Mais je fiche pas le camp, Vimereux. Je m'en vais. C'est pas vous qui me mettez à la porte, mais moi qui pars de mon plein gré. C'est ça, si vous voulez, ça m'est égal, du moment où je ne vous vois plus. Et maintenant, écoutez-moi bien. Je vais téléphoner à mes chefs, à la brigade mobile. En attendant qu'ils prennent une décision à votre sujet, je vous interdis de sortir de chez vous. Compris? Vous pouvez être tranquille, j'ai pas l'intention de filer. Allez, vas-y, allez, monsieur! Attention, les enfants, attention! Non, monsieur, je vous prends avec moi! Tiens! Tiens, c'est monsieur l'inspecteur! Ah, le père Douriez, qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez? Oh non, non, je pensais par hasard. Par hasard, oui, comme l'autre soir, sous les fenêtres de Mme Courlon. C'est ça. Et pas commode, hein? Qui? Albert Vimereux. Ils vous ont dit qu'ils étaient dans le bois, la nuit où Marie-Jeanne a été tuée? Et comment le savez-vous? Je les ai vus parler. Je me demande bien ce qu'ils y faisaient. Et vous? Moi? Oui. Vous? Vous y étiez aussi, puisque vous les avez vus. Qu'est-ce que vous faisiez dans le bois?
Ah ben, je... Oui, vous braconniez, comme d'habitude. Vous posiez des collets. Ah, oui. Oui. Ben, puisque vous avez tellement de renseignements à communiquer à la police, pourquoi vous ne les avez pas donnés aux gendarmes mardi matin? Les gendarmes? Ben, je m'en sens pas tellement bien avec eux. Ouais, vraiment. Je parie que vous avez un casier judiciaire long comme le bras. Hein. Oh, faut pas, non, là. Oui, enfin, c'est juste des bricoles. Ben, on verra, on verra. Bon, écoutez, j'ai pas le temps de m'occuper de vous pour le moment. Il faut que j'aille téléphoner. Mais... Tenez. Qu'est-ce que c'est? Convocation. Soyez à la gendarmerie à 6h ce soir. À la gendarmerie? Mais j'ai rien fait, moi. Je commence à me le demander. En tout cas, j'en ai assez de vous trouver tout le temps sur mon chemin. Je voudrais bien savoir pourquoi vous venez tellement à m'aider, vous. Ben, c'est pour vous rendre service. Vous voulez rendre service à la police, vous? Vous essayez pas plutôt de détourner mon attention? Là, je comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Non, mais le braconnage, voyez-vous, c'est un alibi facile. Personne ne s'étonne de vous voir rôder un peu partout la nuit. Vous n'avez pas vu Mademoiselle Courlon pendant que vous étiez dans le bois? Non. Vous en êtes sûr? Vous avez certainement entendu à quel sujet elle se dispute avec sa mère lundi soir. Vous avez écouté tout ce qu'elle disait. Vous saviez qu'elle avait beaucoup d'argent dans son sac. C'était tentant pour vous. Ah non, 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 ça non, monsieur l'inspecteur. J'aurais jamais fait une chose comme ça. Pourquoi pas? C'est pas parce que je prends quand même un peu à droite et à gauche que je suis malhonnête. Vous vous moquez de moi? Allez, où se filer? Et n'oubliez pas ce soir la gendarmerie, hein. Je vous y attendrai. Nous aurons tout le temps de bavarder. Ouais, c'est à 10 kilomètres d'ici? Non, non, 7. Ça vous fera une promenade. Mais je vous préviens, si vous n'êtes pas à 6 heures, je lance toute la police de la région à vos trousses. Et on ne mettra pas longtemps à vous retrouver. C'est compris? Oh oui, monsieur l'inspecteur, oui. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour. Vous venez de chez nous? Mon mari est à la maison? Oui. Alors, ça s'est bien passé chez vos parents? Mes parents? Je les ai pas vus. À cette heure-ci, ils sont jamais là, ils sont au champ. Hein? Vous n'étiez pas chez eux? Ah, si. Si, j'ai été voir ma petite sœur qui est malade. C'est uniquement pour cette raison que vous êtes allé à la ferme? Bien sûr. Bon, venez avec moi. Où? Chez vous. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'inspecteur? Non, mais vous verrez bien. Dis-moi! C'est encore vous? Oui, encore moi. Je vous apporte une mauvaise nouvelle. Vos beaux-parents n'ont pas donné d'argent à votre femme. Mes parents? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je t'expliquerai plus tard. Ah non, Vibreux! C'est à moi que vous allez donner des explications, et tout de suite. J'ai rien à dire. C'est ce que nous allons voir. C'est tout vu. Vous cherchez un prétexte pour m'arrêter? Eh ben, vous l'avez! Oh mon Dieu! Allez, va me préparer une valise, Maurice. Mais c'est pas possible, Albert, il va pas t'emmener. Bien sûr que si, regarde-le, il ne demande que ça. Oh non, Albert, je veux pas. Non, ça, il faut pas. Ça suffit. Va chercher mes affaires. Je commence à comprendre pourquoi vous vouliez me voir partir le plus vite possible tout à l'heure. Vous aviez peur que je ne sois encore là quand votre femme reviendrait. Si je ne l'avais pas rencontrée, vous lui auriez fait la leçon et elle aurait confirmé votre mensonge. Ce mensonge idiot qui devait me faire croire que vous n'aviez pas volé le sac de Mademoiselle Courlon et par conséquent que vous ne l'aviez pas tué. Hein? Ah, et bien joué la comédie. Hein? J'ai même pas un billet de 10 000 francs. Et mes beaux-parents qui me détestent. J'étais prêt à vous plaindre. Où sont les 100 000 francs? J'ai rien à dire. Ah, ne recommencez pas, Vimereux. Mais c'est vous qui recommencez. J'en ai assez de vos questions. Ah, inutile de vous mettre en colère, ça ne m'impressionne pas. Je ne me mets pas en colère. Vous n'aviez pas le caractère aussi facile tout à l'heure. Comment se fait-il que vous ne discutiez pas, que vous n'essayiez pas de vous défendre, hein? Pourquoi faire? Vous êtes bien décidé à me coincer, alors. Tiens, Albert. Prenez la valise. Merci. Au revoir. Occupe-toi bien des petits. Vous avez une voiture? Oui. Oh, non, écoute, Albert, c'est pas possible, je peux pas. Tais-toi, arrête de pleurer. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez, on y va? Pourquoi êtes-vous si pressé de partir? M'arrêter, non? Non. Hein, m'attendez pas ça de votre part, Vimereux. C'est bien, mais... Vous ne croyez pas qu'on a assez discuté comme ça? Alors allons-nous-en. En me forçant presque à vous arrêter, vous pensiez protéger votre femme. Qu'est-ce que vous la racontez? Vous êtes fou? C'est elle qui a tué Marie-Jeanne Courlon. Attendez un peu. Oh non, écoutez, mais faites pas ça. Parlez pas de Vimereux. Albert, mais... Non, arrête, voyons. Arrête.
Allez, vous, moi, asseyez-vous là, hein. Ne bougez plus. Si j'avais encore ma bonne main. Heureusement, vous ne l'avez plus. Les violences et voies de fait envers un officier de police, ça coûte cher. Oh, faut pas lui en vouloir, monsieur l'inspecteur. C'est pas sa faute, vous savez. Il n'a pas toujours été comme ça. Si, il a toujours été violent, querelleur. Seulement, vous vous en rendiez pas compte. Vous l'aimiez. Oh oui. C'est pourquoi vous avez eu si peur quand Marie-Jeanne Courlon est arrivée la semaine dernière. Hein, elle avait toujours été votre rivale. À l'école, déjà, on disait qu'elle était plus intelligente que vous. Plus tard, quand vous étiez obligé de travailler à la ferme chez vos parents, elle se promenait dans le village. Elle s'amusait. Elle était belle. Plus belle que vous. Elle s'est fiancée à l'homme que vous aimiez. Pour vous, elle ne représentait que de mauvais souvenirs. Ne réponds pas, Morissette. Il n'a pas le droit de t'interroger. Ça suffit, Vimreux. Si vous n'aviez pas profité des absences de votre femme pour revoir votre ancienne fiancée, il ne serait peut-être rien arrivé. Oh, je ne savais pas, je ne voulais pas. Mais bien sûr, vous ne vouliez pas. Vous ne vouliez pas le perdre. Et pourtant, vous sentiez bien qu'il se passait quelque chose. Lundi soir, vous avez compris que votre mari voulait s'en aller avec elle. Alors quand ils sont sortis, vous les avez suivis. C'est pas vrai! Elle est restée à la maison. Non, quelqu'un vous a vu tous les deux dans le bois. Qui? Gustave Dorier. Ah, le père Dorier, ce vieil ivrogne, vous parlez d'un témoin. De toute façon, j'en ai un autre. Et celui-là, personne ne mettra sa bonne foi en doute. Qui est-ce? Vous. Moi? Oui. Enfin, je vous ai demandé à quelle heure vous étiez revenu chez vous. Vous m'avez dit que le bébé pleurait, que vous vous étiez occupé de lui et que vous n'aviez pas regardé la pendule. Votre enfant pleurait, Vimreux. Et c'est vous qui avez dû le consoler. Votre femme n'était donc pas là? Ça ne prouve pas qu'elle nous ait suivis. Où était-elle alors? Elle était... Elle était chez une voisine. N'est-ce pas, Morissette? Mais dis quelque chose. Oui. Non, madame. Non. Votre enfant est malade. Vous ne le laissez jamais seul, vous me l'avez dit ce matin. Pour que vous l'abandonniez, il fallait que vous ayez une raison grave, impérieuse. Et cette raison, c'était votre bonheur que vous vouliez défendre. Quand ils se sont arrêtés pour bavarder à l'entrée du bois, vous étiez là, derrière eux, caché. Vous avez essayé d'entendre ce qu'ils disaient. Puis votre mari est revenu vers le village, tandis que Mademoiselle Courlon continuait sa promenade. Vous l'avez suivi, vous l'avez rattrapé dans la clairière du Gros Chêne. Il n'y a pas un mot de vrai dans tout ça! Vous inventez n'importe quoi pour... Non, c'est pas la peine, Albert. Oh, j'ai pas de regrets, tu sais. Puisque tu voulais partir avec elle. Mais non! Je ne voulais pas m'en aller. Mais je t'ai entendu, Albert. Tu lui as dit que tu serais à l'autocar le lendemain matin. Autocar, naturellement. Elle m'avait demandé de venir lui dire au revoir avant qu'elle parte. C'est vrai. C'était seulement pour lui dire au revoir. Oui, Marissette. Je te jure que c'est vrai. Il faut me croire. Mais alors, ce que j'ai fait... Mais c'était pour rien. Non, madame. C'était pas pour rien. Vous l'avez tué pour un souvenir d'enfance.